Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. Vendredi 4 juin 2021, direction l'hippodrome de Paris-Vincennes pour le prix Kissa, 8e course de la Réunion 1, où 13 trotteurs âgés de 7 à 10 ans en découdront aux alentours de 20h15. Les Européens ne seront pas de la partie en ce vendredi soir sur le plateau de Gravelle. Sous un ciel pluvieux, nos trotteurs n'ayant pas gagné plus de 241 000 euros depuis le début de leur carrière s'affronteront. Le parcours utilisé sera celui des 2700 mètres de la grande piste, ce qui promet une belle et longue bagarre. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintet. En première position, nous retenons le numéro 7, Enzo Dessart. Ce représentant de l'entraînement de Rodolphe et François Lagadoc est en feu actuellement. Ayant signé 3 victoires lors de ses 4 dernières tentatives et une deuxième place également, il se présente déféré des postérieurs dans l'espoir de gagner à Vincennes. En deuxième choix, le numéro 11, Doux Parfum. Ce cheval entraîné par Guillaume Gillot s'entend merveilleusement bien avec Éric Raffin. Comptant parmi les plus riches ici et affichant 2 belles sorties lors de ses 2 dernières tentatives, il peut logiquement prétendre au succès. En troisième choix, retrouvons le numéro 6, Démocrate. Il n'est que très rarement déféré des 4 pieds, et dans cette configuration, c'est une véritable petite bombe. Si Pierrick Lemoël lui donne un bon parcours, il peut faire tilt. En quatrième position viendra le numéro 10, Diablo de Caponnet. Avec lui, tout sera une question de parcours. Si Alex Abrivard arrive à le planquer au maximum dans une course qui peut s'annoncer rythmée, alors il terminera à la vitesse du vent. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 4, Cadet. Benjamin Goetz, qui l'a depuis peu dans ses box, le confie à Franck Nivard et le défaire des 4 pieds, dans l'espoir de réaliser une très grande performance. Au sixième choix sera retenue la candidature du numéro 9, De Roc. Ce cheval entraîné par la famille Marty effectue un long déplacement pour courir ici. Manu Criado, driver d'expérience, effectuant également le déplacement, il n'est pas là pour faire de la figuration. En avant-dernier choix, le numéro 8, Dexter Debo. Il est régulier dans l'ensemble et une fois encore, il peut prendre l'une des 5 premières places à l'arrivée. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 5, Bibop Mélois. Avec l'aide de Mathieu Mottier et sans ses fers, ce hong de 10 ans peut pimenter les rapports. En cas de non partant, le numéro 12, Belphégor Dupage, qui fera de son mieux avec l'aide de Mathieu Abrivard, introduira alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour 1 € sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, mercredi, dans une arrivée très compliquée à déchiffrer, la Minute Quintet passe malheureusement au travers. Top Prono, de son côté, assure encore en indiquant de très nombreux coups de cœur payants. Pour vous abonner à Prono VIP, il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nous vous contacterons en privé pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintet. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager 7 Minutes Quintet et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois offrant un abonnement VIP, turf-fr.com.